Salut tout le monde, bon lundi soir ou mardi matin ou peu importe quelle journée qui est quand vous regardez la vidéo. Mon nom c'est Gab le Gamer, on joue à Grand Theft Auto 5 et c'est le mode LSPDFR avec la liste de modes partiels qui apparaît à notre gauche. Aujourd'hui, on va faire les choses un peu différemment. On va faire un corps de travail avec le SPVM. Question de faire différent, de tout le temps avoir l'habit vert et vert de la Sûreté du Québec. Donc, on va embarquer dans le Crown Vic. On va faire un peu de ville, patrouiller dans le secteur latino de la ville. Puis prendre des appels surtout. On va faire peut-être un petit peu de trafic si on croise des véhicules qui font des affaires qui ne devraient pas. Mais en gros, ça devrait être des appels. Donc, si vous êtes prêts, suivez-moi, attachez-vous, on y va, Drello. Chauffeur de taxi en avant, on va avoir de la misère à garder sa ligne. On va vérifier pour être sûr qu'il n'est pas pris un petit coup avant de commencer son chiffre le matin. Donc, on va l'arrêter juste ici. C'est un beau pullover ça, mais il m'a pas laissé d'espace pour rentrer en arrière. Donc, on va le faire signe de se tasser un peu. Comme ça. Parfait. On va checker pour être sûr de ne pas se faire arracher la porte. Ok. Donc, monsieur le taxi. Bonjour monsieur. La raison pourquoi je vous arrête, c'est que je vous ai vu en arrière là-bas, vous aviez de la misère à rester dans votre voie. Donc, je vais juste vérifier que tout allait bien. Vous n'auriez pas pris un petit coup avant votre chiffre aujourd'hui? Non? Ok. Je vais juste prendre vos pièces d'identité pour vérifier tout ça, s'il vous plaît. Isaac Wildmore, ce sera pas très long, je vous reviens tout de suite. Donc, Isaac Wildmore. Isaac plus sauvage. Isaac Wildmore. Donc, permis valide, pas de mandat. Faire une lecture de plaque. Donc, dispatch, j'aurais besoin d'une lecture de plaque sur une plaque du Québec, un taxi 87 Boy Henry Boy 195. Target license plate 87 Boy Henry Boy 195. Proceed with caution. Ok, donc les taxes n'ont pas été payées sur son permis de taxi. C'est pas vraiment mon essor, ça c'est plus Transport Québec qui s'occupe de ça, mais à date tout a l'air bon. Fait que on va aller vérifier si on peut trouver d'autres choses. Bon, merci de votre patience, voilà vos papiers. Alors, la raison pourquoi je vous ai arrêté, c'est que je soupçonnais que vous aviez peut-être pris un verre avant de commencer votre chiffre, ou que c'est pas du café dans la tasse qui est entre vos cuisses là. Que je vais vous demander s'il vous plaît de souffler dans l'hybrasomètre pour moi. Jusqu'à temps que la petite lumière tourne au vert. On souffle, 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 souffle. Parfait. 0,000. Bon. Ok. Donc, j'ai pas d'autres. J'ai pas d'autres. D'autres choses que je pourrais voir qui pourraient être le problème. Donc, faites attention. Je sais que des fois, le meter ou le CB, ça peut être distrayant. Donc, soyez prudents. Passez une bonne fin de journée. Bon. Donc, il n'y avait pas bu. Peut-être d'autres choses, mais je suis pas équipé pour vérifier s'il y avait d'autres choses dans cette autopatrouille-là. Donc, on va retourner en patrouille. Code 4. All units, possible 148 in San Andreas. Gunfire reported. All units respond. Code 99 emergency. Ok, ouais, 1-19, je le prends. Air support is on its way.
Donc, on vient d'avoir un appel, une poursuite avec des gens armés et dangereux. Donc, code 99, toutes les unités répondent à ça. En tout cas, essaye de répondre sans tuer tout le monde sur leur chemin. Ciboire, les gars, calmez-vous. Ok, on va joindre à ça. On fait des trucs un peu sketchy en route. Ok, donc on est présentement à 4 unités. Et lui vient. Waouh! Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Dispatch 119 au studio, j'aurais besoin d'une ambulance, s'il vous plaît, au coin de Capitol et Poplar. Un accident très grave impliquant les agents de la paix. Medical aid requested in La Oh! Mesa. Oh! Oh! Dispatch units from El Barrio Heights. An ambulance requested from Davis Hospital. Respond code 3. Donc là, on est rendu à deux hélicoptères puis deux autopatrouilles parce que les autres se sont fait canarder, pour le dire en bon français. Fire truck responding code 3. On est en direction sud du Strawberry. On vient... Bon, la patiente de l'auto est correcte. Nous autres, on va aller en avant ici. On va essayer de le couper. Ok, on descend du char. Tout le monde débarque. On active le bouton panique. Attention au crossfire, les boys! Ok, il y en a un down. Un autre de mort au bord. Ok, les deux de ce bassette sont morts. Il reste l'autre au bord de la rue. Attention au crossfire. Attention au piéton aussi en arrière. Il est mort. Ok. Et où l'hélicoptère? Ah! Wow! Ok. Dispatch, j'aurais besoin de service d'aide ici. On va boucher le chemin. L'hélicoptère de la police qui s'est écrasé. J'ai accroché le mauvais piton. Strawberry, officers report a fire On va alarm. fermer. From, Davis Fire Department, an ambulance requested from Davis Hospital. Units respond code 3. On va refermer la rue 7 aussi. Tout bloquer l'intersection. SUV is en route. On a besoin des pompiers aussi. Ils sont en route. Ok, il va falloir réouvrir ça en attendant qu'eux autres y passent là. Donc, wow! Une fusillade! Ils ont réussi à faire downer l'hélicoptère. Ça va être éteint. On va. Ok. On va voir si les ambulances peuvent venir nous patcher parce qu'on a pris quand même une couple de coups de feu nous autres aussi. Car ceux qui sont arrivés, on peut refermer le trafic là.
pas de bon sens de laisser les chars rouler dans une zone sinistre de même. Ok, lui me court après pour m'aider. Non. Ça va aider l'autre. Ok, c'est le pilote de l'hélicoptère. Ok, donc un pilote d'hélicoptère qui a été ressuscité. Là, c'est au tour du voleur ici. Ok. Un pilote d'hélicoptère qui est correct. On a une couple de policiers down aussi. On peut désactiver notre bouton panique là. La scène est code 4 pour l'instant. Attention all units, we have an assault on a civilian on Olympic okay. Freeway. Donc lui, il n'y a rien à faire. L'autre pilote, il n'y a rien à faire. On va entendre le rapport complet des paramédics. Plusieurs décès sur place. Plusieurs agents qui ont perdu leur vie aujourd'hui. On a même la GRC sur place qui est venue nous aider. Un mort là. On va voir s'ils sont capables de ramener lui. Oh, ça a parti comme une petite journée tranquille, mais finalement... On va avoir eu de l'action quand même. Lui, tout est mort. Ok. Il en reste-tu? Il y en a-tu qui reste à aller voir? Non? Donc, il y avait 8 personnes patients. Ils ont réussi à en sauver 2. Il y en a 6 de décédés. Donc, on va appeler le coroner. Faire nettoyer ça. Unit 1, Ocean 11. Ouais, nous on est correct. Tout est correct. Roger that. Oh, lui il peut pas passer. Ok, allez-y boys, faites ce que vous avez à faire. On va laisser l'ambulance partir aussi. Ok, l'ambulance a quitté. On va bloquer les autres. Juste question de garder l'intersection et l'intégrité de la scène des crimes aussi. Requiring assistance in Chamberlain Hills. Ok, bon ben, pendant qu'eux autres finissent ça, nous autres, on va aller se faire soigner, puis on va aller réparer le véhicule ou aller s'en chercher un nouveau, parce que, mettons qu'il a pris une coupe de, il a pris des bons coups. Coupe de tour de balle, j'ai plus de windshield, il manque un aile. Ils ont abîmé mes stickers de grève. Fait que on va aller réparer ça. Puis là-dessus, ben on, après ça, on va tourner en faire un autre.
Dispatch calling Unit 1, Ocean 11. We have a traffic alert for a grand theft. OK, donc on vient d'avoir un lecteur de plaque qui nous a repéré un véhicule qui est recherché pour avoir volé d'un magasin. Donc on va aller le rejoindre. Il devrait passer juste en avant de nous ici à l'intersection. Juste là, le véhicule, le code cabrio noir. Donc on va aller le rejoindre. Donc, véhicule est occupé deux fois. Plaque du Québec. 84 Ida Frank Adam 315. Il décide d'enlever son toit ouvrant. Question qu'on Target voit comme faux. C'est sûr que lui Eight, aussi nous a four, vu. Ida, Frank, Adam, three, one, five, donc là, il dépasse largement issue. La vitesse de la limite Proceed de vitesse sur caution. Le pont Victoria. Donc, on va l'arrêter ici. Oh, il va décider de se suivre de nous. Se sauver de nous, dis-je. Donc, ils vont descendre ici. On va descendre au vieux port. Oh! Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? On a un clown qui court avec un extincteur. Non, c'est un bidon d'essence. Surveiller qu'est-ce que le clown fait à gauche, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la personne ici à droite. Dispatch, pouvez-vous m'envoyer un autre patrouille code 3, s'il vous plaît? Attention all units, an officer in need of assistance in Cypress Flats. Respond Madame, code 3. Je vais vous demander de sortir du véhicule, les mains dans l'air. Don't make me shoot ya! Non! We have a criminal resisting arrest. Non, 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 in non, non. Cypress Flats. Donc, il a essayé de mettre feu à mon véhicule. A pas réussi. L'autre a essayé de me taiser. Ça a manqué son coup deux fois. Puis là, se sauve. Donc, on va entamer la poursuite. Deux suspects. Ben, un suspect parce que l'autre a payé de ses blessures. Payer de ses actes. Mais bon, je déparle là. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Donc, poursuite à haute vitesse en ce moment. Elle va tourner à gauche. Non, à droite. En passant sur le trottoir. Oh, on a un autre véhicule qui joue en poursuite qui va essayer de la ralentir. Bon, puis il s'est fait avoir. Petite tata. Donc, 108 au studio aura besoin d'autres patrouilles dans la poursuite, s'il vous plaît. Véhicule très haute vitesse. Charlie 4, roger that. We'll look for those maggots. We'll keep our eyes filled, dispatch. On va essayer de la rattraper sans tuer personne. Donc, on a un hélicoptère de nouvelles qui vient de se joindre à la poursuite. On devrait passer au TVR de 18h. Bon. Conduite très erratique. En ce moment, brûle nombreux feux rouges. On est rendu direction nord sur Mirror Park Boulevard. Les rues sont tranquilles. Je regarde ça, il n'y a pas grand autre char dans le chemin. Oh, il a réussi à perdre le contrôle quand même. On va accoter ça direct là. Oh, ok. Je m'attendais pas à ça. Dispatch, you, mon backup. Attention, all units. A 1099 in Vinewood Hills. Respond code 3. Wow, TVA, calme-toi. Thank you.
c'est que tu penses que tu vas aller, là? Ah! Ok, donc on a direction sud sur Fenwell Place. Donc définitivement, elle veut pas se faire arrêter. Mais ça finit toujours mal, ces histoires-là. Toujours pas de backup. Oh, on en voulait un. Oh! Elle s'est coffrée dans le mur. Eh oui, je sors le cocktail Molotov, moi. C'est ce genre de police-là. Go, go, go! Là, on a plusieurs agents qui sont à sa poursuite. Elle vient de perdre son capot. On est rendu à 3 véhicules, dont un banalisé. 4, y compris moi-même. 3 Taurus à sa chaux qui se font passer par un Crown Vic. Hashtag old school. Direction sud sur Elgin Avenue. On passe en dessous du pont. On arrive vis-à-vis le parc Vigée. Ça fit pas ma géographie, mais c'est pas grave. Ok, on va l'accrocher ici un petit peu. Ok. On va faire attention aux itinérants qui dorment du bord de la rue. Une belle filée de chars de police derrière nous. Donc elle va tourner à droite sur Davis Avenue. Passer le terre-plein, nous autres aussi, on va suivre. Le trafic est toujours faible. Mais elle réussit à se tasser en arrière du seul char qui est sur le chemin pareil. Nous autres, on va arrêter ça. Dre là. Petite tournée sur le trottoir. On va essayer de l'avoir pour les dommages matériels causés à la propriété de la ville. Toutes les pancartes qu'elle a fauchées. On va citer les autres agents derrière nous à légèrement agressifs. Comme ça, ils vont passer de tuer tout le monde à tuer tout le monde et détruire tout sur leur passage. Un dépassement très dangereux ici du camion de Coca-Cola. On va... Lui, il va nous foncer dedans, nous faire perdre contrôle. C'est ça, légèrement agressif pour eux autres. Ouais. Ok, lui-même vient de perdre le contrôle, il a failli l'échapper. Oh, Dredsy, ça va finir là. Ah, peut-être pas. Toujours à très haute vitesse. Passe en avant du poste de police. Oh! Encore une perte de contrôle. Véhicule très puissant qui réussit à nous tasser dans le chemin. On va se faire rentrer dedans, comme ça. Par le backup légèrement agressif. On va essayer de rattraper la poursuite parce que lui nous a carrément sorti de dedans. On va élever la poursuite en condition 3. Attention all units. Units requesting helicopter support. In Little Seoul, units respond code 3. We are airborne and en route. Eh, vient de faucher. Wow! S'il vous plaît, appelez l'ambulance. On a un char de police qui fait des flips, ça s'arrête pas. Attention all units, medical aid requested. Okay. In donc, downtown, officers report a les agents vont aller aider, les secours vont aller aider ces pauvres personnes-là qui sont dommages collatéraux à notre poursuite. Nous autres, on va aller rejoindre ça. On va tourner à droite ici sur Power Street. Attention.
Fire truck responding code 3. And, ambulance en route responding code 3. Donc on a pris un chemin autre que celui-là que nos amis ont pris. On va couper ça au travers des petits cônes. Puis on va aller les rejoindre. Attention, this is dispatch. No further units required. Proceed with patrol. Ça, on devrait être capable d'y couper le passage à l'autre intersection aussi. Oh! On arrive sur les lieux. Puis les agents sont dans le milieu de la rue, m'empêchent de passer. Parfait, une belle boîte. Là, là, si elle sent pas que c'est fini, c'est la fin, c'est la fin. Sort du char. À terre, à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. On vient d'avoir un rapport médical de l'ambulancier qui est allé sur les lieux. Les deux personnes, malheureusement, sont décédées. L'agent de police et le motocycliste. Mais notre suspect est arrêté, donc elle va être chargée criminellement responsable du décès des deux autres personnes pour sa poursuite. Madame Angéline Lee. On va se passer dans le terre-plein. OK, Madame Lee. Donc, avant de placer dans mon véhicule, vous auriez sur vous qui pourrait me piquer ou me blesser? Non? Okay. Rien d'intéressant, rien d'intéressant. Bon, ben. Bon. On va vous asseoir ici en arrière de mon véhicule. Don't be a dick, just get in the car! Ça. L'autre char de police est abandonné. Petite fouille du véhicule. Ah, il a réussi à partir enfin. Rien d'intéressant. Hey, 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 calme-toi, 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 dude. Ok. Donc, on va demander à Towing de venir chercher le code cabrio. Qu'est-ce que tu fais dans le char, toi? Taser, taser, taser! Avec un towing qui roule sa tête. On va aller la rassurer dans le char avant que ça bug encore plus. Reste-toi là, s'il vous plaît. Merci. Citizens report ça. A possible disturbance on va in Powell, units respond code 2. Et avec la pluie qui commence, nous autres on va y aller là-dessus. Merci d'avoir écouté le cinquième épisode, c'est toute une poursuite pour finir ça. Un petit like, un petit partage comme toujours, mais me montrer que vous avez apprécié ce que je fais. J'espère que ça vous a plu aussi qu'on fasse ça un peu différent avec la police de Montréal aujourd'hui. Là-dessus, ben, passez une belle semaine, on se voit lundi prochain. Bye bye!